Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars, la chaîne du Japap et du Béret, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Hey, c'est chaud, la toile, hein, on se repose sur la toile, c'est chaud. Voilà Rosine Gengeng Adaobi, qui revient du Nigeria, elle atterrit, oui non, celle de Djadjaridja, celle qui a tapé ma jolie Tiana dans le Djadjaridja. Ouais, même comme ma autre jolie femme. Fatou est venu la battre bien même, copieusement. On a tapé aller-retour sur ça. Ouais, Rosine, on va faire comment? Mais Rosine atterrit au Cameroun à l'aéroport. Il y a au moins 30 personnes pour aller l'accueillir. J'ai dit, c'est encore quoi ça? L'amour que Pierre Abena a amené là, c'est quoi? Les Camerounais, le chômage avec quelque chose. Donc maintenant, n'importe qui atterrit à l'aéroport, on va aller l'accueillir. N'est-ce pas? Les gens n'ont rien à faire. Bien, c'est un nouvel mode que ces gens-là payent seulement les gens pour venir les attendre à l'aéroport. Bien, c'est quoi? Aïe! Le buzz, hein? Yes! Non, le buzz! La soif du buzz des gens! Mami, puis, yes! Ah. Jusqu'à Rosine Gengeng rentre, on peut l'attendre à l'aéroport. Au moins 30 personnes. Ha! Yes! Hey! Non, il faut voir. Si on te raconte, non. Je vous dis donc. Ah, donc Rosine est devenue quoi? Rosine est devenue une méga star. Qu'on peut dire l'attendre à l'aéroport. Hey, yes. Hey, bientôt on va aussi aller attendre Grand Barack à l'aéroport. Ouais, ok. En passant aussi, on attend, on va aussi si on peut accueillir Nyangono du Sud. Mami, pi. Ouais, le Cameroun a le chômage. Ouais, Popoul, fais quelque chose. Hein. Les Camerounais sont dans le chômage. Le chômage n'est pas... Le chômage là, hein, c'est chaud. C'est chaud, la famille. Le chômage au Cameroun. On va attendre aussi une gang. Hey! Voilà, on t'a leur montré l'amour que tu voulais là, non? Pour rappeler, c'est ce soir, tu viens pleurer sur les plateaux de télévision que elle est la Camerounaise, détestée sur l'État. Oui, vous comprenez un peu. Ouais, non, parce qu'il fut un temps là, elle se mettait trop dans les petits trucs. Hein, oh, petit litige avec Jemima, petit truc avec Diana Bouli. Petit truc avec elle, c'est monté et descendu. Problème avec tout le monde. Finalement, quand tu as le problème avec tout le monde, c'est que c'est toi le problème. Vous comprenez un peu. On va dire non, tout le monde m'en veut. Non, tout le monde t'en veut pas. Si tu as le problème avec tout le monde, c'est toi le problème. Là, c'est clair et net. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Oui, tu as le problème avec X, Y, A, B, C, c'est toi le problème. C'est ça qui s'agit. Donc, elle est partie sur les plateaux de télévision là pour pleurer que, ouais, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Elle est la plus détestée du méta. Ah, c'est monté, elle s'appelait Patati Patata, faisait pitié. Ah, maintenant, alors, ils sont partis te montrer la morale. Ou bien c'est toi qui as payé pour qu'on parte à Crio. Parce qu'on vous connaît, non? On vous connaît, vous les Camerounais avec le modèle. Buzz à tout prix. Buzz à tout prix. Hey! Yes, on achète même le buzz. S'il faut acheter le buzz, on achète propre. C'est de ça qu'il s'agit. Et non pas froid. Oui, la concurrence qu'il y a sur le métal, il y a une concurrence. C'est difficile. Elle ne recule devant rien. Oui, devant rien pour faire un petit buzz, pour se démarquer. Chacun cherche toujours à se démarquer. Oui, tu as d'abord fait. Le petit chez la Diana Bouli, tu as attendu, elle a posté son Djadjaridja. Après, tu as posté pour toi le lendemain encore, tu es venu brûler pour elle. Oui, yes, Yahweh. Non, mais tu ne savais pas qu'il y avait une Fatou qui attendait derrière. Yeah. C'est chaud. Hein? C'est chaud. Aïe. En tout cas, du courage, ma chérie, dans ton buzz. Du courage. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, non? On attend, on est assis, on attend, on t'envoie. On se prend en train de tout pour une nouvelle vidéo. Hein. Hey, excusez les vents, hein.
veux dire qu'il y a les vents ici. Comme vous savez que moi, j'aime faire mes vidéos dans la rue. Là. Je fais souvent les vidéos aussi dans la maison, mais je n'aime pas trop, c'est pas. Dans la maison, vous savez, dans les flats, ça, tu te sens comme enfermé, mais c'est comme. Donc, vous comprenez un peu, non? Je me sens comme. Je ne sais pas. Comme si les murs là vont m'enfermer. C'est comme. Donc, j'aime être libre. Vous comprenez, non? J'aime être à l'air libre. Mais alors, il y a les moments que ça ne donne pas trop par ici. Il y a les vents jusqu'à. Mais l'important, c'est que l'allergie a baissé. L'allergie a baissé. Oui, vous écoutez comment je parle, non? Oui, l'allergie a baissé. Hey, il y a le moment que j'arrive à peine prononcer les mots. Hein? Hey, yeah. En tout cas, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa porte. Surtout, ne mettez pas les organes.